Eh bien, salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle campagne. Oui, je sais, j'ai pas terminé celle de Masamundi, mais la campagne de Rakkars me hypait trop. En plus, la prochaine, la suivante qu'on devait faire, c'était les Elfes Noirs. Donc, très bien, on va partir sur Rakkars. Donc, du coup, il y aura deux campagnes en simultané, celle de Masamundi et celle de Rakkars. Et ça me va très bien. Et on part en Œil du Vortex. Je vous passe la cinématique sur l'Œil du Vortex, parce que je suppose que vous la connaissez déjà. Alors, c'est vrai que l'œil du vortex, bon, bah, il y a la course au parchemin de Hecarty. Pas ce que je préfère. Hein. C'est vrai que cette mécanique de course au rituel me hype pas des masses dans l'œil du vortex. C'est pour ça que j'ai peu joué de campagne d'œil du vortex. Notamment chez les elfes, qu'ils soient hauts ou noirs. Mais bon. Ok, donc Rakkars et les Milgueul. Donc ils ont des enclos, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on gagne une bataille, on va gagner des bêtes. Oui, ta gueule. On va gagner des bêtes de guerre qu'on va pouvoir recruter. Donc les esclaves, les herches noires. Et donc. Oui, ta gueule. Ta gueule, ta gueule. Et donc du coup, on va pouvoir avoir des unités qu'on n'a jamais normalement dans les armées. Dans les armées elfes noires. Je vais baisser un peu le son. J'ai l'impression que c'est un petit peu fort. Ok, 1565. Je prends les esclaves. Et on a gagné deux harpies. Que je peux recruter instantanément comme ça. Paf. Et. Allez, donc là, de toute façon, on est en territoire ennemi. Donc. Qu'est-ce que je vais faire? Donc ouais, on a une sorcière de la bête. On va avancer un petit peu et on va prendre le fjord des trolls au prochain tour. On contrôle Albion. Et tour suivant, alors peut-être un petit peu de diplomatie, voire le fléau de Cain. Pacte de non-agression peut-être? Non, ils veulent pas. Ok. Gothique. Gothic ne me dé... Ah aussi, ils vont me détester. Ouais, Elsarion aussi va me détester. Par contre, Agol m'aime plutôt bien. On peut peut-être... On peut peut-être négocier un petit truc. Et tu vas me donner un peu de fric en plus. Hein? Non, alors, le paiement, c'est trop. Avec 500, modéré, t'acceptes? Non. Ok, alors du coup, on va quand même essayer de gratter. Un paiement de 300. Ils acceptent. C'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça de prix. Allez, c'est parti. Donc ouais, regarde ce qui a l'air quand même très très fun à jouer. Capturer 2500 prisonniers de bataille, ok. On va attaquer directement le fjord des trolls. Si, alors si, le problème c'est que si je la fais en auto, il risque de m'enlever des troupes.
Donc je vais la faire pas en auto, du coup. Alors, on a une hydre. TRP. Ok. Alors, hop. Donc on commence avec des ombres, une hydre. Alors je vais les mettre là, mes troupes, comme ça les siennes seront dans l'eau quand elles m'attaqueront. Ok. L'hydre, on va la mettre sur le flanc. Rakkars, on va le mettre là. Elle, on va la mettre derrière. Les ombres, je vais les mettre sur le flanc au cas où, pour se débarrasser des trucs qui attaqueraient l'hydre. Parce que pour l'instant, je veux pas la mettre. L'hydre, je veux pas la mettre trop exposée. Bon, je veux qu'elle puisse faire ses souffles. Et on va commencer directement le déploiement et la bataille. Hop, alors toi, tu te mets comme ça. Reculez pas. Et on va les attendre. Oh, ça bloque bien. Ça bloque bien. Un petit kill déjà? Zéro? Ah ouais. Bon, par contre, là, peut-être falloir commencer à y aller en mode doucement. Alors, les harpies. Vous allez faire ça. Oh là, alors toi, là, t'as quelque chose de beau à faire. Oh non, oh c'est tellement moche ce que tu m'as fait là. Ouais, par contre, hop. Ah, l'île en plus, elle se fait attaquer par les lanciers. Ça, c'est pas ouf. Ok. Reculez les furies. Les furies, les harpies. Allez. Ils prennent pas grand-chose, je trouve. Allez, prenez les chasseurs. Allez, massacrez-moi ces maraudeurs à armes lourdes, s'il vous plaît. Aïe. Allez, il faut que je me débarrasse d'eux. Ah, bah, attends, reviens-toi, c'est pas grave. Ok, les harpies, vous allez aider, vous allez filer un coup de main. Oh, Rakkars, il est pas bien. Ok, c'est bon, ça commence à se libérer ici. C'est des champions maraudeurs en même temps qu'ils affrontent. Les harpies, vous allez sur le seigneur. Bon, ça se passe comment? Ah, ça se passe pas bien là. Oh, Rakkars, 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 recule, 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 recule. Recule. Oh putain, il est tellement pas bien. C'est bon pour lui? Non, c'est pas bon encore. Allez, hop, massacrez-le. Ok, l'hydre, c'est bon. Elle s'est débarrassée de ses adversaires. Attends, hop, avant de foncer, avant. Ah, c'est bon, ça fuit. Ok. Ça va tomber, c'est bon.
Les ombres ont pris cher, mine de rien. C'était pas une bonne idée de les mettre sur le côté, finalement. Lid qui a fait 91 kills, pas mal. Les harpies qui ont joué leur rôle. Les ombres qui ont quand même, bah, qui ont quand même pas mal tapé. Rakarth, il a eu chaud quand même, hein. Il a eu très très chaud, le pauvre. Il a failli se faire bolosser tour 1. Alors, pour être honnête, j'ai déjà fait le premier épisode et que j'ai pas enregistré. Enfin, j'ai pas enregistré. Si, je l'ai enregistré, mais je l'ai pas gardé. Je me faisais bolosser tour 5 à cause d'un misclick. Et le mammouth sauvage, voilà. On a capturé un mammouth sauvage et ça, c'est bon. Et ça, on aime. Ça, on dit oui. On va prendre des lanciers, tête des corsaires en plus. Et ça se régène un petit peu. Au fjord des trolls, ok, on a un port. Alors. Faction à détruire Scaling, j'ai 20 tours pour le faire. Mais pour l'instant, alors là le problème c'est que si je fais ça, ils ont 6 unités. Pire notoire, on va faire ça. Est-ce que je passe un tour de plus à recruter histoire d'être sûr? Vas-y, je vais passer un tour de plus à recruter. C'est peut-être un petit peu ballsy, mais. Alors, les scaling, où est-ce qu'ils en sont? Parce que de toute façon, j'arriverai pas au tour prochain, ça c'est un peu chiant. Ils ont combien? 6 unités. Ah. 6 unités, ils sont 6, ça fait 12 unités, ils seront 18 au tour suivant. Ah. Ah, la lance d'ambre. Bien sûr, on prend. Et on va quand même y aller. On va quand même y aller. Et tout ça au moins? Option moins 3, stabilité provinciale moins 2, esclave moins 1. Tu veux quoi? Tu veux un traité de paix? Non. Dégage. Ok, ils sont 11. Moi, je suis 18. Avec quand même des unités qui sont pas en forme. Mais un mammouth et une hydre. Ça devrait le faire quand même. Ça devrait le faire. Donc, la campagne est en très difficile, hein, comme d'habitude. Après les elfes noirs, c'est quoi? C'est les Skaven, je crois? Ah, c'est les Skaven, je peux aimer. Je ne joue pas Skaven. Je n'aime pas jouer Skaven. Je sais que c'est très fort. Je n'aime pas les Skaven. C'est une faction que je n'ai jamais aimée, que ce soit dans le jeu ou dans le jeu de plateau, hein. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à les attendre ici? Genre comme ça, là. On a le bénéfice de la pente pour nous. Moi, je trouve que c'est pas mal comme ça, hein. On va mettre eux sur le flanc là. Eux sur le flanc là. Les harpies prêtes à intervenir d'un côté ou de l'autre. Vous allez vous mettre en renfort comme ça. Rakars, ouais, vaut peut-être mieux pas que tu sois directement de front. Alors ensuite, on a l'hydre. On va mettre l'hydre sur le flanc. Et le mammouth ici. Ah bah d'ailleurs, je les avais oubliés, elles. Hop, c'est pas grave, je vais mettre là. Et vous allez tirer comme ça. Allez, on les attend. De toute façon, globalement, alors l'avantage c'est que globalement, il n'y a que du maraudeur. Ah, il y a une unité de chasseurs. Mais mes harpies vont s'en occuper sans trop de soucis. Et pour le reste, je crois qu'il y a quasiment que du maraudeur. Bam. Allez. Salve suivante. Oh oui, c'est pas mal. Chasseur. D'ailleurs, visez plutôt les maraudeurs à armes lourdes.
En plus, ils sont bien blobés avec les chasseurs maraudeurs. C'est plutôt pas mal. Par contre, il y a du monde en face quand même, hein. Ça, c'est un peu le souci. Il y a quand même du monde. Bon, alors toi, on va peut-être déjà te faire. Là-dessus. Ouais. Alors, Merpie. Ok, vous allez directement venir là parce que ça va pas aller sinon. Rakars, tu vas calmer ta bête. Alors, toi, est-ce que une petite lance d'ambre? Là, ça passe ou pas? Ouais, ça a l'air de passer. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Ah, ça fuit, ça fuit. Alors, ils sont très nombreux, c'est assez normal que ça fuit. Ok, ça aussi c'est bon. Ça se passe pas trop mal. Les balistes, vous pouvez peut-être faire quelque chose? J'ai une unité de harpie qui est en train de fuir, mais c'est pas grave. Il faut vraiment les aider là. Ouais, alors toi, recule un petit peu. Ok. Ça se passe comment? Ok, ça se passe plutôt pas mal. C'est en train de tomber, c'est plutôt en train de tomber, tout va bien. Ouais, non, va massacrer le seigneur. Allez. Allez, Pupus. Qu'est-ce que... Sur quoi il pourrait tirer? Là. Là-dessus. Ah, ça tombe ici. Mes ombres. Ah, putain, c'est mes ombres, ça. Ah non, c'est pas mes ombres. Mes ombres, elles sont là. Ok, je crois que ça lâche d'en face. C'est clairement en train de lâcher. C'est bon, ça a lâché. Ah bah, Rakar s'était enfui. Oh putain, j'avais pas vu cette point de vie. Ouf. Eh ben, je crois que c'est bon, on a détruit les Skellings. 50 morts pour la sorcière, c'est pas mal. Ouais, non, ils ont fait du bon taf. Non, c'est le problème, c'est que quand je suis en infériorité numérique tout seul, c'est comme ça, c'est difficile d'utiliser mon hydre pour ses souffles de façon particulièrement efficiente. Mais voilà, globalement, tout le monde a fait son taf. Les corsaires ont bien fait leur taf, hein, 98, 80, 71.
Alors c'est vrai que c'est une unité qui est pas ouf, mais en début de campagne, c'est une unité qui a du tir, qui cogne quand même au corps à corps. Je trouve ça pas si mauvais en début de campagne. C'est clair qu'en fin de campagne, ça vaut rien. Très bien, 2000 balles, je prends. Un bouclier arcanique, très très bon. Et les Skylings ont été vaincus. Alors, Rakars, hop, on va prendre ça. Toi, on va te faire passer la lance d'ambre au niveau 2. Ok. Et Albion va pouvoir. Alors, peut-être prendre les sombres traits. Ou la thune. Ordre public d'abord. Hop, croissance plus 10, on va prendre ça. Alors ensuite, croissance plus 20 et revenus générés par les esclaves plus 10%. On va prendre ça, ça me semble absolument indispensable. Bon, bah la campagne part beaucoup mieux que le premier épisode que j'avais tourné. Alors, tu veux quoi, toi? Non. Bah non, en fait. Juste non. Soumets-toi et puis on en reparle. Alors. Ici, on va pouvoir faire avoir quoi? Ça apporte une garnison. Ah, ça ajoute des murs aussi, oui, c'est vrai. Corsaire des Arches Noires, deux harpies, deux corsaires des Arches Noires à petites arbalètes, ok. Et l'autre, quand je passe au niveau 2, ça augmente la génération de parchemin. Ouais, mais il vaut peut-être mieux d'abord sécuriser les murs. Rakars. Tu vas aller au fjord des trolls. Ah merde, non, non, non. Ah putain, quel con. Pas tout à fait ça que j'avais prévu, mais bon. Est-ce qu'on n'essaierait pas directement de s'attaquer à Ultuan? C'est une idée, hein. Je suis pas encore à distance, fais chier. Allez, au suivant, du coup. Que les tours passent plus vite quand même en campagne du Vortex. Alors, personnage blessé, Boudica flambe âme. Quoi? Grâce à un réseau d'informateurs, ce héros a percé à jour un complot contre vous initié par un traître de haut rang. Plutôt que d'effrayer le démon, le héros laisse la conspiration se dérouler afin d'identifier les collaborateurs et bondit devant sa lame, la lame avant qu'elle n'atteigne sa cible. Ce personnage est désormais blessé, mais ses actions lui ont valu un gain d'expérience considérable. Oh! Bah, ouais. Ah, par contre, j'ai rien eu en prenant la baie de la banquise. Est-ce que je reprends un petit peu de lancier? On va faire ça. On va faire ça. Oui, de toute façon, je peux pas aller jusqu'à. Je faut pas que j'aille jusqu'à 20, puisque Boudica. Faut qu'elle revienne. Faut absolument qu'elle revienne. Mais ouais, éventuellement, je partirais bien directement sur Kotick. Hein. Kotick, Mistar, Sardenas. Construisez un de chaque bâtiment suivant. Ok. Remporter la bataille suivante avec une armée menée. Le fouet d'agonie. Alors, une arche noire deviendra disponible. Et avec le fouet d'agonie. Donc, portée déplacement plus 10%, puissance des armes plus 12%. Ok, c'est pas mal. L'effet découragé réduisant le commandement. Attaque en mêlée plus 8. Et capacité fouet d'agonie qui débuffe la défense en mêlée. Retire la peur, retire la terreur. Ok, donc c'est pour en faire un tueur de monstres, quoi. Et on a quoi en face? Ouais, les Croxigors sacrés. Autant de Croxigors et Croxigors sacrés, je suis pas prêt, hein. Je suis pas encore prêt. On va monter ça peut-être. Et ici de la thune. Je vais attendre de régène complètement. Et puis je pense que je partirai directement attaquer Misnar. On va augmenter la croissance. La corruption. Ah oui, ça monte quand même jusqu'à 22.
De base. Avec la corruption chaotique, c'est chiant, hein. Mais ça va finir par tomber, non, à un moment ou un autre. Ça, je sais jamais, j'avoue. Au niveau de mes personnages. Combien de tours avant qu'ils reviennent? Bah alors, pourquoi est-ce que tu me dis pas? C'est tour suivant, c'est ça que tu me dis? Alors, la course au Vortex, 350. Faut que j'attaque, faut que j'aie l'hôtel de Ken. Ouais. Mais. Allez, tour suivant. Et ensuite, j'attaque Misnar. Ok. Alors, au fur des trolls, on va monter ça au niveau 2. Ça doit avoir un peu plus de thunes. Et on va attaquer Misnar au tour prochain. Est-ce que j'ai un temps pour le... Non, j'ai pas de temps limite. Donc on va prendre Misnar effectivement d'abord. J'ai même pas regardé s'ils avaient des alliés. Quoi? Ah quand même. Ça fait peur. Hop, on occupe. Ça dit que dégâts des armes perforantes. Ouais. Non, on va partir sur l'attaque éclair de toute façon. Je sais pas ce que j'ai dans cette, ce qu'il y a dans cette armée. Ici, on va prendre ça. Alors, le problème, c'est que ça va être chiant à défendre hein, contre la baie de Black Banquise et tout ça. Les colonies nord vont être chiantes à défendre vu qu'il n'y a pas jamais de mur. Ouh! Ouh! Unis contre nous à Gol, tu te fous de ma gueule? Les hauts elfes? Oh, ça sent la corruption, ça. Hein? Oh, ça pue la corruption. Du coup, je vais m'attaquer directement à cette armée. Ah, mais ils ont la portée pour rejoindre? Alors, il me dit que ça passe. Il me dit que ça passe. J'ai des doutes, mais on va la tenter, hein. Oh, j'ai peur de se rouler la campagne déjà. J'ai déjà peur de se rouler la campagne, c'est terrible. En plus, j'ai pas ma sorcière là. Oh, ça, ah ouais, non, ça c'est. Putain, c'est que j'ai pas ma sorcière. Ah, ça c'est pas bien ça. Alors. Faire ça comme ça. Les tireurs à l'arrière. Tout le monde recule pour laisser le mammouth devant. Les furies, elles auront pour rôle d'aller nettoyer les tireurs le plus vite possible. Rakkar, ça va dire déjà ça. Et Rakkar, on va le mettre là. Allez. Avancer un petit peu. Ah, ils attendent, très bien. Alors toi, dès que t'as la portée, tu t'arrêtes, hein. Oh non, je le laisse avancer. Eux, ils avancent pas. Donc autant en profiter. Autant en profiter. Le problème, c'est que c'est beaucoup de lanciers, mais monstres face aux lanciers, ils vont prendre cher quand même, mine de rien. Ok, c'est bon, ça commence à tirer déjà. Première salve. Tire sur les gardes maritimes. Ça me semble un très bon plan. Ah, ça les fait pas bouger, hein. Ça ne les fait pas bouger. Bon bah écoute, hein, moi, tant que je peux les bombarder, ça me va, hein.
Ah, ça y est, il bouge. Ça bouge. On va changer un peu de cible. On va prendre un peu cela. Et en plus, c'est vrai que les archers. Alors si, il y a des archers là-bas, mais c'est vrai que les gardes maritimes de Lothian, je pourrais pas les attaquer avec les harpies. Hein. Ouais, ils peuvent déjà. Oh, ça c'est pas bon par contre. Recule. Aïe. Ah putain, les elfes et leur portée à la con là. Ouais, bah va falloir que j'avance. Faut que j'avance. Faut que j'avance ma ligne. Faut que j'avance ma ligne, j'ai pas le choix. Les harpies, vous avez commencé à essayer de récupérer. Ok, bon, ça va. Allez, vous vous attaquez cela. Allez, vous tirez là-dessus, vous. L'hydre, elle est où? Oh putain, mais l'hydre, elle a pas avancé du tout. Allez, massacrez-moi ces archers. L'hydre, elle a fait son tir. Ouais, elle a fait son tir. Oh, et ça, apparemment, c'était pas mal. Ah, 59 kills, c'était pas mal, effectivement. Oh, putain, je prends tellement cher. Je prends tellement cher. Faut que le mammouth, il aille charger. Il faut qu'il aille charger ça, parce que sinon, je vais me faire massacrer. Ok, c'est bon, déjà une unité d'archer en moins. Ok. Vous avez tiré là-dessus. Ok. Ouais. Ouais, ça se passe pas très très bien tout ça. Putain. En plus, ça bloque tellement, ça pourrait faire tellement de dégâts. Les harpies, elles en sont où? Allez, hop, vous vous attaquez à ça. Bon, là, c'est bon, c'est pas trop un danger. Vous vous attaquez à celle-là. Allez, pupus! Oh putain, mais je prends tellement cher, c'est terrible! Tirez là-dessus! Toi, tu viens là, l'hydre, il faut que tu te ramènes. L'hydre, l'hydre, l'hydre. Attends, hop, racasse. L'hydre, elle est où? Aïe, 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 je sens que je vais la perdre, celle-là. Oh putain, merde, mais. Mes harpies qui sont en train de se faire démonter la gueule. Ah non, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Allez, essaye de te sortir de là, l'hydre. Eh merde, les harpies qui fuient. Oh putain, mais trop de tirs en fait, trop de tirs en face. Ah ouais, non mais là c'est mort. C'est complètement mort. Ah, eux, ils ont plus de flèches. Super.
Toi, essaye de te décaler. J'aimerais bien que tu puisses utiliser ton souffle. Ah putain, Blambus, c'est bon. Ok, c'est bon, il n'y a plus rien. Le mammouth est en fuite, il reste plus que l'hydre. Allez. Au moins. Voilà. Bon, ça n'a rien fait, mais bon. Je suis surpris que l'hydre elle tienne encore, que son moral tienne encore. Putain, les archers aux elfes, j'avais oublié à quel point ça tapait quand même. Ah bah c'est bon, c'est fini. C'est fini. C'est complètement fini. Ouais. Bon, qu'est-ce que je fais là du coup? Parce que là, le souci, c'est que lui, il va m'attaquer derrière. Et que j'ai quasiment utilisé toute ma portée pour me déplacer. Là, je sais pas. Hein. Ah, je sais pas. Je sais pas comment faire là du coup. Ouais, ok, j'ai perdu ça, j'ai perdu ça, ça. J'ai pas perdu mes monstres, c'est une bonne chose. Ok, je fuis loin, ça c'est une bonne chose aussi. Est-ce que je le mets sur char à court? Non, peut-être pas. Non, après, il aura Bracchus. Alors oui, au niveau du lore, je me rappelle plus bien du lore de Rakarth, mais il me semble que son père était aussi un maître des bêtes. Alors attends, t'as quoi comme portée, toi? Ça comme portée. Ah! Ah, aïe, aïe, je crois qu'elle a la portée pour me. Ah ouais, non, elle a la portée. Ah, c'est mort. Ah, c'est mort. Bah, je vais directement recruter quelque chose ici. Un despote. Un despote, allez, on va recruter un despote. Perspicace, coût de construction pour les bâtiments, héros recruté pour les matriarches. On va prendre lui. Ok. Toi, on va te mettre là-dedans. Ah, t'as 4 en plus en loyauté, super. Aïe, 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 aïe. Allez, ouais, non, il me... Est-ce qu'on peut essayer? On va essayer, hein. On va essayer, mais je pense que c'est mort, hein. Je pense que c'est complètement foutu. En plus, Pupus a quasiment plus de vie. Ah, fais chier. Bon. Alors. Oh. Il me reste tellement rien en infanterie. On va mettre la balise au-dessus. Allez, on va essayer comme ça, hein. Allez, je sais pas s'ils vont attaquer directement. Ouais, c'est bon, ils attaquent directement. Ça, c'est peut-être ma chance. Ah, putain, leurs archers de mort! Oui, alors Rakarth, tu vas calmer ta bête tout de suite. Bon, on va devoir avancer, on n'a pas le choix. Sinon, on va se faire démembrer. Ah ouais, non, mais regardez, regardez ça, regardez, regardez ça!
Mes harpies, elles fondent à vue d'œil. On dirait une pub pour un régime Weight Watcher. Ok, au moins ça fait bouger les archers. Oh putain, mais je peux pas ne pas me mettre à portée. Le mammouth, s'il te plaît, tu arrêtes de te... Ouais, les furets, elles sont en train de... Les harpies, elles sont en train de perdre. Non, bluff. Là, c'est déjà mort, hein. Spoiler. Vous perdez du terrain. Oh, sans blague! Je m'en étais pas rendu compte, merci de me prévenir. Bon, par contre, le mammouth, là, il fait des dégâts, hein. Là, il fait très très mal, le mammouth. Mais ce sera pas suffisant. Là, il est en fuite déjà. Là, il est mort, d'ailleurs. Rip pupus. J'en ai tué beaucoup, hein. J'en ai tué beaucoup. Mais pas suffisamment. Bon. Fini. Finito. L'armée de Rakkar est détruite. Et franchement, je ne vois pas comment je pourrais gagner. Alors, ouais, je vais essayer, hein. J'ai remonté les campagnes où j'étais plus en difficulté que ça, mais... Deg. Deg de chez Deg. Mais attends, mais ils ont recruté entre-temps, c'est pas possible, là. Ils avaient moins que ça tout à l'heure. Oui. Bon, ça va être compliqué, je vous le dis. Spoiler, ça va être compliqué. Elle est blessée, bien sûr blessée. Alors. Ah, monter le fjord des trolls, niveau supérieur. Moi j'ai du fric, haha. Ah putain, en plus j'ai pas de capacité de recrutement. Oh, c'est terrible! Je peux rien défendre avec ça! Je vais faire ce que je peux, hein, mais... Bon, ça, mais c'est même pas la peine de la jouer. Super idée! Déclarer la guerre. Ok. Revenu des ports plus 5%, ça peut toujours servir. Ah non, j'ai eu une idée de genius. Ah, 40 cartes déjà détruites, super. En plus, c'est bien, je pouvais les confédérer. Ah ouais, 2500. Ok, attends, pourquoi qu'est annulé? Ah bah oui! Parce que je peux plus confédérer 40 quarts. Ouais, donc... Oh, oh, mais cette catastrophe. On va monter ça. Ou l'ordre public. L'ordre public, on est stable pour l'instant. On va monter ça plutôt. Alors, toi... La nuit infernale. Attends, le cœur sauvage, ça fait quoi déjà? Je sais plus. Taux de rechargement. Réserve de puissance augmentée. Bon, on va faire le cœur sauvage. Bien sûr.
Ouais. C'est pas folichon comme armée, hein? Albion, c'est défendable. Pacte de non-agression avec vous? Avec plaisir. Aïflotkaïnakotik, ok. Alors ça, c'est ma chance. C'est peut-être ma seule opportunité de faire quelque chose. Mais ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Ah mais tout se goupille mal dans cette campagne, hein. C'est terrible. Ah, Rakkard, c'est prêt. Ok. Juste, je vais regarder au niveau du temps d'enregistrement. J'en suis à combien? Ok, on peut encore faire 10 petites minutes. On va faire ça. Ok, j'ai plus de fric. Bon, c'est pas grave, de toute façon, il y a du recrutement qui est déjà lancé. Ouais. Alors, qu'est-ce que je peux faire ici? Hop. Alors, t'attaques en garnison de base. Une matriarche, des sombres traits, des corsaires. Corsaires des. Et là, du coup, ça me ramène quoi? Deux cavaliers noirs à bouclier, deux tristolames et deux sombres traits. C'est triste comme garnison, hein. Mais je crois que je vais pas trop avoir le choix. Ou alors, on dit que l'on s'en fout. Ouais, non, il me faut des sombres traits. Hein. Il me faut complètement des sombres traits. J'ai une ligne qui est correcte. Un peu plus de tir, ce serait pas mal. Alors, tu veux quoi? Un accord commercial avec plaisir. Bon, il manque une unité. Et ben là, on va prendre des sombres traits, par contre. Ah, je vois une armée là. Il y a une armée là qui est en train d'arriver pour attaquer. Ok, oui. Ok, c'est la fête à mon cul, du coup. Est-ce que je cherchais Misnar? Alors, parce que Eltar. Ah, je suis en guerre contre Eltarion? Ah, super! Ah, oh, bah super! Pour avoir un maître, ce serait pas mal. Tiens, on va le mettre là. On va voir si ça le fait traverser, s'il va traverser le détroit. Enfin, le tourbillon. Avec coup de recrutement et attaque en mêlée. On va booster ça. Ouais, j'ai bien fait. Quoi? Faut peut-être pas découvrir. Ah, ils ont les chevaliers de Torgaval, d'accord. Sentinelle d'Astar. Ah oui, d'accord. Ok. On va essayer. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Bon, je pense que la réseau auto a peut-être quand même un petit peu fumé là. Hein. Faut peut-être pas déconner non plus. Mais c'est vrai qu'il y a les chevaliers de Torgaval. Hein. Ils vont faire chier. Après, niveau de tir, ils ont pas grand-chose à part ça. Enfin, c'est gérable, quoi. Oh, mais en plus, j'ai pas de chance sur les... Oh, alors ça, par contre, c'est bien. Ça, c'est très très bien. On va les mettre sur... Quoi? Voilà, comme ça. Ah, j'ai oublié de changer Rakkar. Oh, l'imbécile! Ah, oh, putain. J'ai oublié de remettre Rakkar dans l'armée. Oh, fait chier. Allez. Ouais. Non, ça me convainc pas du tout. On va faire des blocs de deux unités. Assez larges. Et la dernière, qu'on va accompagner d'une unité de corsaires.
Là, ça me convainc beaucoup plus. Ok, alors eux, l'avantage c'est que je pense que les chevaliers de Torgaval, ils vont attaquer direct. Putain, c'est des putains de griffons! Qu'est-ce que tu veux que je fasse face à ça? Ouais, non, ça sert à rien. Ok, ils vont peut-être focaliser le noble en premier, eux. Non? Oh oui! Oh, c'était beau ça! Oh, j'aime beaucoup ce que tu fais. Je suis fan. Une lance d'ombre là-dessus, ça va faire quoi? Bah, ça fait rien du tout. Ok. On va aller chercher l'archimage avec les furies. Vous vous tirez là-dessus en premier. What? Mais il leur est arrivé quoi, mes furies? Elles sont sérieuses, elles? Hop, vous allez en renfort là-bas. Bon, pour l'instant, ça va à peu près. Ok, les chevaliers de Torgaval prennent quand même cher. Oh quoi, j'ai déjà une unité qui a fui? Sérieux? Alors toi. Tu vas me refaire une lance d'ambre. Là. Ok, c'est bon, l'archimage est en train de prendre cher. Ça, c'est très, très, une très très bonne nouvelle. Allez, massacrez-moi ces chevaliers-là. Vous allez aider. Vous aussi, s'il vous plaît. Ce serait pas mal. Ok, déjà, il n'y en a plus que deux. Allez, massacrez-les. 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 Allez, il y en a un qui est tombé. Ok. C'est qui fuit? Ah merde! Ah oh, putain, mais furie, mais harpie. Ah, chaque fois, j'ai de jolies furies. What? Qu'est-ce qu'elle s'est pris dans la gueule, elle? L'archimage, elle est où? Allez. Vous allez vous la faire. Ok, hop, allez, on charge. Vous essayez de tirer un peu là-dessus. Ok. Mais les lanciers, ils vont peut-être lâcher en face, non? Ils sont 20 vélos contre 200, mais tout va bien. Ok, quand même, ça lâche ici. Ok, c'est bon, l'archimage, elle a lâché. Mais vous êtes sérieux? Ce sont des rangers, oh! T'appuies dessus un peu trop fort et il tombe. Donc, calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous bien. Oh putain, par contre, le maître du savoir, il est en train de me défoncer la tête, hein. Ok, c'est bon, le seigneur ennemi est mort. Est-ce qu'ils vont enfin lâcher ces connards? Oui, ça va, ça lâche. Ok, ça lâche, le maître du savoir aussi.
Vas-y, c'est la lance d'âme de ta vie. C'était bien essayé. Allez. Bon, hé, il est devant vous, vous n'avez pas le loupé quand même. Non mais. Allez, tuez-le. Tuez-le. Par pitié, tuez-le. Allez, massacrez-moi, Cavill. Non mais sérieusement? Il était sous vos yeux! Non, mais il va s'en sortir. Bon. Mais attends, il y a encore. Mais oui! Mais la bataille, elle n'est pas terminée! Moi, je croyais que la bataille était terminée, mais pas du tout! Loin de là! Bon, et là? Il reste rien sur la carte, que je sache. Si? Allô? Non, mais s'il vous plaît, c'est quoi? C'est y a une unité qui est en train de se palucher dans les fourrés ou? Là, je vous guerre, il fuit. Ah, mais. Ok, ils sont tout seuls. Oh, ils ont fait une tuerie en noble. Oh, les enfants de salauds. Bon, là, ça va peut-être aller, oui. Ah, les cartes du pinacle, ils sont indémoralisables, oui. C'est vrai. C'était donc pour ça. Il y a peut-être un petit peu de Friendly Fire là. On fout, fallait pas m'emmerder. Bon, j'ai dû perdre une unité de lancier, peut-être deux, mais autrement ça va. Et je vais quasiment massacrer son armée à ivresse. Au final, ils ont pas fait grand-chose, les chevaliers de Thorgabal. Qu'est-ce qu'il a bien géré? Les corsaires, encore une fois, qui gèrent correctement. Hein. Par contre, décevant tes lances d'ambre, ma vieille. Ok. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va se laisser sur cette victoire. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ou un commentaire et à vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines sorties de vidéos. En attendant, moi je vous dis à tous et à toutes une très bonne journée. Salut! Bye bye!